dès le départ, en 1996 déjà, quand j'avais ce désir de devenir moine, que je suis entré chez les trappistes, franchement, le désert me fascinait. Je faisais beaucoup de dessins du désert et mon père prieur du temps, père Charles, me disait, mais écoute, si t'es pas allé au désert, mais va au moins pas à la pensée, va pas à l'imagination. Donc, il m'encourageait beaucoup. Et du coup, j'étais bouleversé totalement par cette immensité désert. Septembre 2020, j'ai fait une demande à mon père abbé qu'il était temps que, enfin, que j'aimerais vraiment commencer cette expérience. J'aimerais vraiment me jeter à l'eau. J'aimerais vivre seul pour voir quand même ce que ça donne. J'avais toujours cette soif, j'avais vraiment ce désir ardent et fou. Donc j'ai vraiment fait la demande. Aujourd'hui, on pourrait dire un ermite, ce ne serait pas nécessairement quelqu'un qui se retire totalement dans une solitude inconnue, puisque les gens passent. Et d'ailleurs, ça n'a jamais été comme ça de toute manière. Chez les pères du désert, les déserts étaient remplis de visiteurs. C'était des témoins qui vivaient de la parole de Dieu, et les gens venaient chercher la parole. Donc, les déserts d'Égypte étaient totalement remplis de visiteurs. Il y a plein d'histoires dans les apophthegmes ou les pères du désert, tout ça. Ainsi parla Jésus, puis levant les yeux au ciel, il dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils pour que ton Fils te glorifie. Et que par le pouvoir sur toute chair que tu lui as conféré, il donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, qu'il soit aussi avec moi, pour qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. »
Ici, ça a été vraiment le lieu où j'ai fait un long apprentissage. Mais j'allais manger en communauté, j'allais à la messe en communauté, mais je revenais pour vivre ici. C'est à 5 minutes de la communauté. Chaque fois que je viens à l'Ermitage ici, c'est beaucoup de paix, beaucoup de joie. Je viens souvent, je fais 2 semaines, je viens pour les fêtes, je viens au carême et ce que j'ai vécu ici est magnifique. J'avais bénéficié beaucoup de paix parce que ce lieu m'a appris beaucoup l'abandon. Le fait que ce soit sauvage, il y a plein de serpents ici. Donc j'en ai vu dans la chambre, j'en ai vu, j'ai même vu un cobra dans les environs, je ne l'ai pas tué donc. J'ai vu un gros serpent qui vient se promener par là et je vivais avec. Ça m'a permis de vivre beaucoup d'abandon, ce lieu. Ce lieu, j'ai porté vraiment tout ce que je vis aujourd'hui sans savoir où ça va aboutir. Bonjour, Bonjour, longtemps qu'on ne Père. t'a pas vu, Oui. depuis un an à peu près. Et alors, comment ça va là-bas? Comment ça Oui, ça se passe bien. devient-tu? Oui, ça va très très bien. Et comme la Providence m'a quand même précédé, évidemment, sous l'égide de la Providence, tout va toujours bien. Tu es ermite, tu es tout seul, mais tu as quand même des voisins, ils ne sont pas très loin. Tu les rencontres quelquefois, ils viennent te voir. La plupart sont des musulmans d'ailleurs. À 20 minutes. Il y a le village. Et c'est, je marche 20-25 minutes pour y être. Maintenant, le chef du village, c'est la seule famille auquel je suis lié. Bah, sa famille m'a adopté presque. Bon, c'est bien. Tout le monde, ils sont tous musulmans. Je suis le seul chrétien du coin. Mais les liens sont assez fluides. Et c'est une famille qui a quand même beaucoup voyagé, donc ils sont très ouverts. De temps en temps, je peux faire une cuisine jamaine. Parce qu'au début, ils m'invitaient beaucoup pour venir manger, mais j'allais de temps en temps. Ah, mon cher. Ah, Oui, madame. Et le petit pape, il est où? Le petit pape, il était allé dans la mosquée, mais il n'est pas encore venu. Dès la première rencontre, le chef était totalement. Bon, il m'a vraiment accueilli. Et voilà. Donc je ne suis pas en ce sens seul dans le village m'a vraiment adopté et ça se passe bien. Oui, il fait des RK. Ah, d'accord. C'est pour ça. Et à la fois, je garde quand même ce charisme du monastère là-bas parce que la musique prend pour moi une place colossale. Donc quand on vient chez moi, on loue le Seigneur, même si on est athée, même si on est musulman. C'est que on a l'air que tu as amélioré cet accord parce que rejoue, je vais voir parce que là c'est et là c'est beaucoup plus que ce que je pouvais désirer. J'ai le désert. J'ai l'embouchure, le fleuve et la mer, j'ai même la crosse qui est pour moi vraiment le symbole de l'amour de Dieu. Donc, je ne peux pas avoir plus que ça. Je ne peux que rendre grâce au Seigneur parce que je découvre tous les jours beaucoup d'amour de sa part, beaucoup de clins d'œil de la Providence. Et je n'ai pas d'autres mots, je suis en action de grâce. Et puis, bon, ça, ce qui me permet aussi de porter tous les autres dans mes prières. Ça avance à petit pas. Vous avez changé les portes? Oui, on a changé les portes et les fenêtres, parce qu'à cause des termites.
Salam alaikum. Hey, Malia Savodo, mene ta mewe, nou ton we non yon. Non, Jemi me, mi me, Malia e me, bi non pa ho me, yon non do e po nou, pi pe to e pon. Mi de di bon asu e, to ha mi bo beche me bi, pa la mi bo so I bo Jezu gon. Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur. Oui, soyez les bienvenus. Bonjour. Oui, oui. Bonjour, bonjour. Oui, soyez les bienvenus. Vous allez bien? Oui, très très bien. Ah oui, bonjour à vous. Bonjour, ça oui, va bien? Ça va. Bien, oui. Merci. Ouais, soyez les bienvenus. On t'attendait. Merci beaucoup. Depuis, ouais. Merci. Ça s'est bien passé hier, ton. Oui, en tout cas, ça va, ça a été, oui. Super. Oui, comment ça s'est passé votre réunion hier à Kogilay des Oblats? La rencontre, vous étiez? Oui, oui, on y était connus. Ça s'est bien passé. Donc, on a eu un enseignement sur Saint-Benoît, la vie de Saint-Benoît, okay. Avec la sœur Marie-Gabrielle. Et puis, le dimanche, après la messe, on a eu l'enseignement avec le moine, le prêtre. Le père lui-même. Le père lui. Ah, c'est bien. Voilà. Pour votre présence dans ce diocèse, je crois que, en même temps que ça contribue à la catéchèse de nos fidèles, parce que beaucoup n'ont jamais peut-être entendu parler. Ils viennent voir quelqu'un qui vient en ermitage dans ce diocèse, surtout que vous participez aux célébrations dominicales à la cathédrale. Les gens ont toujours compris que les moines sont tous là-bas à Kermoussa. Pour les voir, il faut simplement aller à Kermoussa. Et de par votre présence, vous apportez une nouvelle connaissance. Et vous contribuez également à la catéchèse de tous ces fidèles qui vous voient et qui connaissent que voilà, l'ermitage, c'est quelque chose qui existe dans la vie, qui a longtemps existé et qui continue à exister dans l'Église. C'est une sorte de ressourcement pour nous. Là. C'est vrai que l'ermitage, c'est un peu le silence et tout, et que des fois, on est peut-être un peu réservé pour ne pas le gêner un peu dans lui, sa démarche spirituelle. Mais ça fait du bien, effectivement, de venir là, prendre un peu plus d'énergie et repartir dans la vie active. Moi, je n'ai jamais entendu parler de Gandiol. J'ai été conduit comme ça ici, par la Providence. Je n'ai jamais entendu parler. Ce n'est pas que je connais que je choisis de venir. Et là, le jour où j'ai découvert ça, je me suis dit, non, il y a quelque chose ici. Je viens de comprendre ce que vous êtes en train de dire. Oui. Parce que, franchement, c'est un lieu isolé, où vraiment on peut se recueillir et sans aucun problème.
Et vous savez, l'ermitage, ce n'est pas bien connu ici, hein, au Sénégal. Parce qu'à chaque fois, si on dit qu'il y a un frère du monastère qui s'est retiré comme ermite, nous, vraiment, eux, ils s'étonnent. Comment quelqu'un peut vivre là-bas, seul? Où est-ce qu'il va manger? Où est-ce qu'il va boire? Etc. Ça a étonné beaucoup de gens. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur pour cette rencontre. Merci d'avoir conduit ici les Oblats. Nous te confions les intentions que chacun, chacune de porte. Nous te confions leur famille. Nous te confions leur travail. Notre-Dame du désert, priez pour nous. Saint-Joseph, priez pour nous. Vous tous bénissez le Seigneur, vous qui servez le Seigneur, qui veillez dans la maison du Seigneur au long des nuits. Levez les mains vers le sanctuaire et bénissez le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse de Sion, lui qui a fait le ciel et la terre.
Frère Moïse. Oui, bonjour, comment ça va? Oui, ça va bien. Ça va bien? Oui, oui, ça va. Mon frère, ça va bien? Oui, oui, très, très bien. Et chez vous? Eh, ça va. Tout le monde va bien au monastère. Ok, ok, c'est oui. Bien. Et à Saint-Louis? Oui, ça va. Oui, c'est oui. Bien ça. Oui. Mais je suis venu au monastère déjà, d'abord déposer la moto. Ah ouais? Et à Dakar après pour prendre le bateau. Ah, ok, tu es venu par le bateau. Mmh. C'est bien. Mmh. Mais tu es venu me visiter? Je suis content et ravi de te recevoir ici et de voir un peu ce que je suis en train de vivre ici, ce que je suis en train de faire. Émile, notre étranger est arrivé, hein, il faut venir le saluer. Ok. Ceci-là. Je te présente Émile, c'est mon collaborateur qui est avec moi, qui habite là-bas. Mais qui bonjour Émile, je vois que ta porte est trop juste. Je ne suis pas sûr de pouvoir passer par là. Oui, mais c'est bon, c'est la porte du paradis, hein. Il faut une porte étroite, non? Alors, on commence à apprendre pour aller au paradis. D'accord. Voilà. Ah, vraiment. Heureusement, tu vois, que j'ai voyagé léger. Je ne peux pas, c'est pas là. Oui, si tu es venu avec des gros sacs, tu ne pourrais pas rentrer, hein, mon frère. Parce que là. Donc là, tu as la maison. Donc, d'après ici, comme notre frère, c'est. Frère, je voudrais voir un peu. La maison. D'accord. Pour le moment, de toute façon, on va te donner un peu d'eau à boire. À cause du grand voyage que tu as fait. Merci. Voilà. Je peux poser là. Voilà. Et une fois de plus, comment ça va chez vous? Oui, ça va. Ah, ok. Oui. Tu sais, au monastère, ça va bien. Je suis passé avant de venir. Le frère Eli, son pied n'est pas toujours guéri. Oui, oui, c'est ça. Oui, il est en fauteuil roulant. Oui, parce que le père Abbé m'avait appelé pour me parler de ça. Comme père Abbé nous a proposé, si tu veux venir au désert, c'est bien. Et si moi, je veux venir dans la forêt. C'est ça. Et... Donc, ça m'a impressionné. La Casamance, c'est d'une beauté. C'est la forêt, c'est... Évidemment, c'est très différent de Saint-Louis. Oui, dans le désert. Oui, honnêtement. Oui, oui. Donc, ben un jour, il faudra venir au désert là-bas. Mais oui, je viendrai vous voir. Pour changer. Je vais voir. Peut-être quand je vais venir au monastère, je profite pour venir là-bas. Mm-hmm. Et ensemble, on va dire notre Père. Et nous allons prier ensemble pour que nous puissions vivre dans la paix, dans l'amour, dans le partage et l'entraide. Nous allons évoquer la Sainte Famille, pour que dans toutes les familles règne la paix, l'amour, le partage. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, anime-nous le feu de ton amour. Envoie ton souffle et tout sera créé, et tu verras la face de la terre. Prions le Seigneur. Tu pénètes, Seigneur, le cœur de tout homme, tu connais le désir de chacun et rien ne reste caché. Daigne purifier les pensées de nos cœurs en y répandant le Saint-Esprit, afin que notre amour soit parfait et nous le rendons digne de toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui règne avec le Père et le Saint-Esprit pour des siècles. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Dans le ciel, dans le ciel. Amen. Oui, oui, je vois. Mais la confiture que j'ai faite. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Je vais te montrer d'abord
le jour de mon baptême. Ah. C'était ça, en 75. Mmh. À Saint-Joseph de Médina. C'est toi qui as les lunettes comme ça? Waouh, on dirait la tête d'un grand professeur. Voilà. Tu avais quel âge ici? J'avais 23 ans. Waouh. Mmh. Non, j'avais 25 ans. Pour devenir chrétien, ça a été très dur, hein, sérieusement. Parce que, premièrement, toute ma famille est musulmane. Et dans ma famille, je suis le seul garçon de la famille. Mon papa avait deux femmes. La première femme avait 4 filles. Ma maman avait 3 filles. Et moi, je suis le dernier. Donc, pour devenir chrétien, je n'osais dire à personne. Parce qu'en fin de compte, moi, je me préparais déjà à passer le concours de l'administration pénitentiaire. Donc, quand je suis rentré, je faisais en même temps mon catéchisme. Okay. Ah, oui. Mais personne ne savait dans la famille. Ils ont fait venir ma maman de Marsassoum, de la Casamance, jusqu'à Dakar. Alors, ils lui ont dit, ton fils est en train de se perdre, donc il faut venir voir ce qu'il est en train de faire. Ma maman est arrivée, et je me rappelais ce jour-là, il faisait tellement chaud à Dakar. Alors, ma maman et mon oncle m'ont conduit chez mon beau-frère, de marier à ma grande sœur, qui est marabout d'ailleurs, justement. C'était pour savoir ce qu'il va dire. Alors, on est parti. Quand on est arrivé, ils ont dit, voilà, ceci, cela. Ma maman a commencé à pleurer, des trucs comme ça. Alors, ils lui ont dit, voilà, il voulait se perdre, il devient chrétien, je ne sais pas quoi. Parce qu'ils ont un terme là, péjoratif là, qui n'est pas très... Alors, en fin de compte, le monsieur les a dit, mais il faut les laisser tranquille. Oui. Ils lui ont dit, vous croyez que la religion musulmane est meilleure que la religion chrétienne? Moi, je crois que oui, à ce point. Il nous a dit ça. Et depuis lors, ma maman ne m'a plus parlé de ce que je voulais faire. Elle ne m'a jamais rien dit. Mes soeurs, personne n'a jamais mis pied ici. Moi, j'ai fait 30 ans ici, personne n'est jamais venu ici. Combien de temps tu as fait au monastère et finalement, ouais, tu étais prophète? Non, j'ai fait que 2 ans et demi. J'ai pris la Bible parce que je suis rentré en 83. Et en 84, j'ai pris la vie. L'évêque, Monseigneur Pierre, m'a demandé de venir me présenter. Parce que je lui ai parlé de mon projet de vivre comme ermite. Et il m'a demandé de venir ici, en Casamance. Premièrement, il m'a demandé, vous êtes de quelle région? Je lui ai dit, je suis de la Casamance. Il m'a dit, c'est mieux d'aller en Casamance. Vous avez beaucoup plus de possibilités de trouver un emplacement meilleur pour la vie là. Je suis venu en 88 ici. Donc, à cette période-là, moi, je n'avais plus rien au point de vue ressources financières pour vivre et tout ça. Donc, il faut commencer à cultiver. Donc, je me mets à cultiver les arachides, tout ce que je pouvais cultiver pour vendre, pour vivre et tout ça. Les sœurs qui mènent. Parce que je vais là-bas, les sœurs me demandent qu'est-ce que ça va faire. Ou bien même, elles ne me posent même pas la question. Elles savent que je suis venu parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas à la maison. Elles me donnent quelque chose. Je crois, en fin de compte, elles ont compris que ce monsieur-là, quand il vient ici, c'est pour. Ce n'est même pas la peine de lui poser la question pour savoir est-ce que ça va ou pas. Bon, elles me donnent quelque chose, je viens, je dépense. Et puis, après, de quelquefois, je demande à des amis de m'aider. Ils m'ont manqué un peu d'argent. Mais c'est comme ça qu'on vit ici. Bonjour, bienvenue, ça va bien. Je crois que tu es. Et non, parce qu'il s'est resté Christine. Est-ce qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur? Oui, il y avait des gens. Laissez-le venir, on prie. Hein. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, bénis ce repas, bénis les mains qui l'ont rendu possible et donne-nous la grâce de l'utiliser pour faire le bien. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon appétit. Merci.
y a deux personnes qui se présentent. Tu peux continuer un petit peu. Ah, deux personnes. Oui. Dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, prie de que tu fédérons le feu de ton amour, mon attention à l'écho sera crue et tu donneras la face de la terre à prier le Seigneur. Tu pénètre, Seigneur, le cœur de tout homme, tu connais les yeux de chacun, rien ne laisse cacher. Daigne purifier les pensées de nos cœurs en y répondant au Saint-Esprit, afin que notre amour soit parfait. Notre louange digne de toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. En Afrique, en fait, le problème de vivre seul et d'être loin de tout le monde constitue un problème de compréhension par rapport aux autres. Parce que la solitude, l'éloignement avec les gens peut créer des problèmes entre les gens à cause de la façon de voir qui est cette personne-là, de connaître la personne, qu'est-ce qu'elle est réellement. Il faut faire beaucoup attention à ça. C'est-à-dire de ne pas couper complètement avec la société, avec les gens qui nous entourent. Le fait de se séparer des gens constitue un danger par rapport à ce que, comment on voit la personne. Parce qu'on peut la considérer comme un sorcier, on peut la considérer comme une mauvaise personne qui ne veut s'approcher à personne. Parce qu'on m'a fait cette remarque-là. Comme je n'étais pas avec les gens, j'étais entre les deux villages, et puis loin de tout le monde. Quand je suis venu m'installer ici, la même dame m'a trouvé ici, elle m'a demandé, mais pourquoi toi tu n'habites pas avec les gens? Donc ça veut dire que, déjà dans sa tête pour elle, je ne veux pas habiter avec les gens, je veux rejeter les autres. Tout ce qui se passera, le mauvais, dans le village, tout ce que les gens, il faut croire que c'est vous qui êtes loin de tout le monde, qui êtes à la source de tout ça. Donc c'est ça le problème. Alors, si il y a décès ou bien il y a quelque chose, un malheur au village, et que moi je reste chez moi, c'est pas normal ça, c'est pas juste. Ma mission même de religieux ne servira à rien du tout, parce qu'en fait, nous on se consacre pour les autres, quelle que soit la forme de vie que nous portons, nous menons. Voilà. Les ermites, ce n'est pas des gens qui restent cloîtrés chez eux, ce n'est pas vrai. C'est des gens qui vont vendre leurs produits, qui vont aller au marché, qui vont je sais pas où pour se nourrir quand même. Donc ce n'est pas vrai que des ermites ne sortent pas. Ça, c'est faux.
Alors, donc en Afrique, si vraiment on veut respecter notre vie pour les autres, c'est-à-dire le don de soi pour les autres, il faudrait qu'on considère ce que font les autres aussi. Et le Seigneur Jésus nous invite à nous laisser transformer par cette parole. D'abord, il faut l'accueillir dans son cœur et l'intérioriser, ensuite la mettre en pratique. Si le Seigneur m'envoie quelqu'un et que je dois m'occuper de cette personne-là, je ne peux pas dire non, je ne peux pas le faire parce que je suis ermite. Ça, je ne le ferai pas. Et depuis que je me suis installé ici, j'ai eu beaucoup de cas comme ça, des gens que j'ai rencontrés, qui sont venus ici, et quelqu'un que j'avais connu, mais qui est de l'autre village,
qui était malade, mais qui venait chaque jour ici. Je lui donnais à manger, souvent je le prends, je le lave, je le rase, et puis je lave ses habits, je le laisse partir. Si je demande, je vais acheter des habits, ou je lui donne des trucs comme ça. Mais ça, tout cela, ça fait partie de... Parce qu'en fait, le Christ, c'est ça. Le Christ, dans l'évangile, on dit, il s'est retiré pour aller prier, mais les gens vont le trouver là-bas. Ah, on a besoin de toi. Il laisse sa prière, il va le suivre. Émile, c'est un autre cas. Parce que Émile, il venait de son village, il travaille ici, à la bananerie ici. Il est venu, on est resté ensemble. Il a passé la nuit ici, et le lendemain, je lui ai demandé de partir, il m'a dit non, je ne pars pas. Je lui ai dit pourquoi, il m'a dit parce que ma femme n'est pas chez moi, elle est chez elle avec mes enfants. Je lui ai dit, bon, si c'est ça, il faudrait qu'on voit un peu comment on va faire pour rester ici, ensemble. Parce que moi, je ne peux pas te garder ici en tant que religieux, chez moi, vivre avec toi dans la même maison. Un jour, je me suis rendu compte qu'il avait un problème de santé. Et comme ils ne m'ont pas dit, même sa sœur là ne m'a jamais dit qu'il avait un problème de santé. En fin de compte, un jour, un dimanche, je faisais la cuisine, il était à côté de moi. Et il commençait à parler. À parler, ça, des paroles un peu mystérieuses, un peu... J'ai dit, bon, moi, je ne veux pas le chasser de ma maison. Même s'il est malade, je ne peux pas le renvoyer. Je vais le laisser ici. J'ai rencontré un frère qui m'a dit, il ne faut pas lui donner les médicaments-là, parce que les médicaments-là, souvent, ça rend abruti la personne. Vaut mieux peut-être le mettre dans des bonnes conditions de vie pour qu'il ne prenne plus ces comprimés-là. Et justement, on a supprimé ça. On a l'impression que c'est le truc le quitte, quoi. Donc il n'a plus ce problème-là. Ouais. Et puis le frère de Madine, il m'a dit, nous on a rencontré des cas comme ça, mais la meilleure façon de sauver la personne, ce n'est pas les comprimés. Il faut lui mettre dans des conditions de vie où il peut vraiment être, s'épanouir. Je lui dis, je te donne ce terrain-là, et on a essayé tout fait, on a tout fait pour construire une maison. Donc on lui a construit la maison. On a parti. C'est le municipal. Je voulais récupérer, avec l'accord de ses parents, les enfants qui sont avec leur maman. Je dis, moi, je voulais quand même qu'on m'aide pour que je puisse récupérer les enfants et puis qu'on les mette dans des bonnes conditions. Je suis parti à Dakar, On m'a fait comprendre, Émile était là, il m'a dit que la maman de Paul est décédée. Paul était le plus petit. Et j'ai demandé à la sœur, il y a une sœur de 5 ans de mari, qui est presque une maman à moi, qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs pour mon cheminement. Je lui ai parlé de ça. Il m'a dit, on va prendre le plus petit, on va l'amener à l'orphelinat à Cap-Rousse. Donc ils ont pris Paul et l'ont amené là-bas. Le matin, il vient, il travaille ici, on travaille ensemble. Et je lui dis, bon, de toutes les façons, maintenant, une famille, tout ce qu'on gagne ici, c'est pour nous. Tout ce que je reçois, c'est pour toi. Tout ce que tu reçois, c'est pour nous.
Le dimanche, c'est un jour d'action de grâce pour moi. Je rends grâce pour tout ce que j'ai reçu toute la journée, la vie, la santé, et tout ce que j'ai eu par rapport à les autres, par rapport à Émile, par rapport à Paul, par rapport aux gens de l'extérieur. Et je rends grâce le dimanche. Ma vie de l'ermite, c'est quand je me sens seul. Par exemple, si j'ai le chapelet à faire, ou bien c'est le moment où je me lève de tout le monde, je vais vers le fleuve, faire mon chapelet, faire ma méditation, des trucs comme ça. Il faudrait que ma prière ait un sens. Chaque jour, j'ai une intention de prière. Le mardi, je prie pour les familles. Et les familles, c'est très important pour moi. Mais si l'on apprend par amour, l'amour de l'autre, même différent, qu'il soit noir, blanc, qu'il soit chrétien, musulman, qu'il soit animiste, qu'il soit athée, moi, ce n'est pas mon problème. Et ça, je le mets en moi-même. Je dis, moi, mon problème avec les gens, ce n'est pas la religion d'abord. C'est l'humain. C'est la personne humaine qui m'intéresse d'abord. Et Jésus, ça, il l'a dit clairement. Nous ne sommes pas faits pour la religion. C'est la religion qui est faite pour nous. Donc la religion, c'est un instrument pour pouvoir mieux vivre avec les autres.